Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Il a acquis mon salut sur le bras du calvaire. Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il n'est pas le premier. Il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Levons-nous, s'il vous plaît, frères et sœurs. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le psaume au chapitre 8, psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 8, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires et pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Je suis né dans l'iniquité, sans savoir qui j'étais. Perdu dans ce monde, sans valeur et sans espoir. Quand la lumière apparut, je puis voir ma nature. Je puis voir ma nature. Ce jour-là, sur le banc calvaire, Christ a pris mes pardons. Dès lors, l'ennemi a perdu son pouvoir sur moi. Et je puis dire par la foi que je suis plus que vainqueur. Oui, je suis plus que vainqueur. Je voudrais dire au monde entier que mon sauveur est merveilleux. Son amour pour ses enfants surpasse tout amour. Venez louons-le, qui seul est digne de louange. Qui seul est sans
mon sauveur, il m'a racheté, il m'a lavé, il m'a sauvé par son sang. Et tous les jours, je le louerai jusqu'à la fin de mes jours. Il m'a racheté, il m'a lavé, il m'a sauvé par son sang. Et tous les jours, je le louerai jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Que ton nom soit vraiment béni, Père. C'est vraiment avec un cœur rempli de reconnaissance que nous pouvons te célébrer encore aujourd'hui. Tu es le plus grand parmi les milieux et le plus beau, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Notre âme se réjouit vraiment avec beaucoup d'allégresse de savoir que tu es le seul Dieu. Merci pour cette soirée, mon bien-aimé Père Dieu. Merci vraiment pour cet amour que tu ne cesses de manifester à notre endroit, de nous garder, Père, depuis le matin que nous sommes levés, Père Tubissant, jusqu'à cette heure-ci, Père Saint-Dieu, et avoir ton peuple dans ta maison à toi, Père Tubissant, pour te louer malgré l'oppression de la journée, malgré le travail, malgré la fatigue, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, malgré l'école. Seigneur, ces enfants sont aussi là dans ta maison, Père, que tu sois donc béni, mon Père. Oh Dieu, que chacun d'eux soit profondément béni, Père, parce que tu es vraiment le Dieu qui soutient aussi, Père. Tu vois réellement aussi les efforts qu'il fournit malgré la difficulté, bien-aimé Père. Tu es le Dieu qui sait récompenser chacun, Père. Souviens-toi aussi de ceux qui sont en connexion dans chaque endroit, dans chaque lieu. Seigneur, qu'ils soient aussi fortifiés et bénis aussi, Père. Oh Dieu, tu réponds aux prières, mon bien-aimé Père Tubissant. Tu connais leurs requêtes sur chaque cœur encore aujourd'hui, Père, oh Dieu. Oh, pour aussi ceux qui sont aussi en connexion, mon roi. Nous avons tous besoin de toi, mon bien-aimé Père. Béni sois-tu encore parce que tu es vraiment la réponse à tous nos problèmes, bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. Merci parce que tu vis, oh notre Dieu, puisque tu vis, nous sommes heureux, Père. Louange à toi encore pour chaque cantique qui a été chanté en ces lieux, Père, oh Dieu, pour l'adoration qui est aussi montée devant ton trône de grâce, mon roi. Nous te louons parce que nous savons qui tu es. Sois béni pour ton amour. Gloire à toi pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous pouvez vous asseoir. Nous le remercions, notre Dieu. C'est merveilleux quand nous pouvons surtout entendre et fredonner les paroles d'un cantique que nous chantons. Nous en ressentons donc le poids, évidemment, aussi. Et nous prions que Dieu nous aide, qu'il continue à inspirer, qu'il nous puissions l'adorer, effectivement, de tout notre cœur. Parce qu'il y en a des cantiques qui font du bruit pour faire du bruit. Mais il y en a de ceux qui touchent le cœur et les paroles sont profondes et parce que nous cherchons à pouvoir adorer notre Dieu. Et il faut que notre cœur aussi s'unisse avec les paroles que nous pouvons entendre parce que Dieu inspire. Il inspire encore aujourd'hui. C'est pour ça que nous lui implorons la grâce de pouvoir continuer à être avec nous et de nous conduire encore chaque jour de notre vie. Si le Seigneur ne nous conduisait pas, où serions-nous aujourd'hui? Parce que nous ne savons pas comment avancer. Et c'est vrai, je pense que c'est Philippe ou Thomas qui lui a dit, nous ne savons où tu vas, comment pourrons-nous en savoir le chemin? Et il a répondu que je suis le chemin, la vérité donc et la vie. Nous avons besoin de ce chemin qui soit au-devant de nous pour réellement que nous puissions être sûrs que nous marchons vraiment dans la bonne direction. Et c'est pour ça que nous nous accrochons à lui et nous le supplions et nous lui demandons grâce pour qu'il puisse nous maintenir encore dans cette voie de manière à ce que nous ne puissions pas être surpris puisque ayant pris de voie que nous pensons être vraiment les bonnes voies, que nous pensons être la voie de Dieu, mais qu'à la fin de cela, nous nous retrouvions dans la mauvaise direction. C'est la raison pour laquelle aussi nous
implorons la grâce du Seigneur de nous aider à être soumis à sa parole, être conduits. Parce que la Bible nous fait savoir que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont donc fils de Dieu. On ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu si on est désobéissant. On ne peut pas être conduit par l'Esprit de Dieu si on n'est pas dans la parole de Dieu. Alors c'est pour ça que nous lui implorons la grâce, même si ça nous fait mal, mais que le Seigneur nous parle. Qu'il nous montre effectivement aussi là où nous avons manqué, et de manière à ce que nous puissions aussi réparer, parce que aussi longtemps que nous avons encore le souffle de vie, et nous pouvons avoir la possibilité de nous repentir. Je me souviens que lorsque l'apôtre Pierre était allé chez Corneille, et tous les frères, en fait aussi, ils l'ont regardé en disant, mais qu'est-ce qu'il a eu à pouvoir faire? C'est pas possible, c'est pas normal qu'il soit entré chez le païen et qu'il puisse avoir une communion avec eux, parce que ces choses-là ne sont pas des choses qui doivent être faites selon les saintes écritures. Et les frères ont eu à pouvoir lui parler, effectivement, et l'homme était tellement touché dans son cœur, il dit, si vous pouvez réaliser les paroles qu'il a eu à pouvoir exprimer, il dit, mais pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Et c'est dans les livres des Actes, je pense, que c'est cela où il exprime cela pour que nous comprenions à quel point nous sommes appelés à nous soumettre à la volonté de Dieu pour que nous puissions réellement agir selon le plan de Dieu. Et c'est vrai, ça paraîtrait pour les uns comme étant des gens exaltés comme ça, qui ne savent pas ce qu'ils font, mais nous pouvons simplement dire merci Seigneur que tu nous as ouvert les yeux, afin que nous puissions voir et comprendre cela aussi. Alors, je pense que c'est dans les Actes au chapitre 11, et c'est cela aussi. Donc, Actes au chapitre 11, on va simplement lire quelques versets. Je pense que c'est pour que nous arrivions à pouvoir comprendre cela. Verset 1, il dit, « Les apôtres et les frères qui étaient donc dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. » Et par quels moyens, effectivement, ils ont pu recevoir cette parole de Dieu? Et cela nous est fait part, effectivement, dans le livre des Actes, lorsque l'ange du Seigneur fut donc envoyé donc à Corneille, donc chez lui, pour qu'il lui parle d'une manière assez claire et précise, que réellement que ses aumônes et ses prières sont montées devant Dieu. C'est quand même une grâce extraordinaire que Dieu puisse arriver à pouvoir envoyer son ange à une personne. Et Dieu s'en est souvenu. Ce que cette personne, c'est que les choses qu'elle faisait, elle le faisait vraiment de tout son cœur, avec réellement aussi une considération profonde de ce que Dieu avait demandé à son peuple de pouvoir l'accomplir. Mais c'est quand même extraordinaire. Il n'était pas de ce peuple-là. Vraiment, combien Dieu est vraiment un bon Dieu. Merveilleux, parce que c'est la raison pour laquelle je peux comprendre maintenant quand Pierre est arrivé chez Corneille. Je crois que cela aussi était la chose qui l'a frappé aussi, effectivement, dans la profondeur de son cœur, de voir d'abord comment Dieu lui a fait comprendre les choses quand il était là sur le toit. Son cœur a été touché, et je crois que c'est ainsi que quand il arriva donc chez Corneille, il lui dit cette parole. Je pense que c'est cela dans les Actes au chapitre 10. Je crois que c'est cela. Voilà, c'est cela. Je crois que oui, c'est ça. Verset, nous pouvons lire à partir, je commence sur le verset. Voilà, c'est verset 26, je pense. Oui, même verset 25. Dit. Lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était donc allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il,
qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Maintenant, regardez bien, il dit, mais c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection. Donc, en fait, Dieu l'avait convaincu qu'il ne doit pas, non, Dieu est bon. Alors, il dit, moi, ici, il m'a convaincu. Parce que la manière dont il m'a parlé, c'était quand même fort. Parce que ce que je peux voir, j'ai dit, ça ne peut pas se faire parce que bibliquement, contre moi, c'est pas possible. Et pourtant, nous l'avons eu à pouvoir le voir, celui qui était venu, auquel effectivement que Jean-Baptiste avait eu à pouvoir dire, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous l'avons entendu, nous n'avions pas compris. Que Dieu te bénisse. Nous étions donc, Dieu nous a fait entrer dans une autre dimension. Et que nous n'avons pas compris. Alors, voilà que nous étions, et c'est toujours dans les traditions. Alors que Jésus était la réponse de Dieu à tous nos problèmes. Les fardeaux que nous portions, qu'il fallait offrir, il fallait faire ceci. Jésus était la solution, la réponse de Dieu aux hommes. Quelle merveilleuse, quel bonheur, quelle joie. Alors, regardez très bien. Alors, il dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé donc chercher. Alors Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Vous savez que c'est quand même merveilleux cet homme, oui. Et ils ont prié, ils priaient toujours les dieux de Jupiter et tout ça, ces dieux ne parlaient pas. Mais quand il s'est adressé au dieu d'Abraham, le dieu qui n'était pas des dieux de Romains, mais il dit que si Dieu lui a parlé, qu'il lui dit, c'est extraordinaire, ta prière a été exaucée. Il dit, depuis que je suis né, tu n'as jamais vu chose pareille. Qu'un Dieu qui puisse me dire que ma prière a été exaucée, il envoie quelqu'un de surnaturel. Chez Jupiter, chez nos religions et tout ça, on n'a jamais vu ça. Quelle grâce cet homme a pu avoir aux yeux de Dieu. Non, Dieu est beau, c'est merveilleux. Il envoie même effectivement une vision à son serviteur Pierre pour lui montrer que voici la nappe qui descend, tu et mange. C'était un choc pour l'homme. Mais parce qu'il voulait sauver. Il montra qu'il y a quelque chose. Et quand Pierre a pu voir cela, 3 fois, il a dit. Et puis l'Esprit dit, descends. N'hésite pas, mais c'est moi qui les ai renvoyés. D'une manière aussi claire et précise. D'abord par vision comme cela, et puis Dieu lui parle aussi. Il devait réaliser. Il a compris que là, c'est une autre chose qui se passe. Alors il dit, quand il dit, dans un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. C'est qu'il le faisait de tout son cœur. Ah oui, donc quand il faisait ses aumônes, il disait que j'ai fait cela pour Dieu, je rends gloire à Dieu, c'est pour l'œuvre de Dieu, pour les services de Dieu. Bien sûr que oui. Parce que chaque chose que vous faites, effectivement, pour Dieu, c'est sûr et certain. Et Dieu prend compte de cela, en fait. Parce que pourquoi est-ce que nous faisons ceci? Pourquoi nous le faisons dans la maison de Dieu? Ça ne peut pas être pour quelqu'un. Mais nous le faisons parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Nous voulons que la parole de Dieu soit proclamée. Nous voulons que la vérité soit annoncée. Parce que c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, nous a dit effectivement, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, comme la Bible le fait comprendre effectivement, pas de la terre, mais du royaume. Et c'est cela que nous devons arriver à pouvoir. Eh bien, si c'est du royaume, ça doit venir de lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, je n'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pour ça que tous nous devons prier, pour que le Seigneur, notre Dieu, nous le supplions tous, hein, qu'il nous maintienne dans cet état que seule sa parole, que lui veut que nous puissions avoir, mais dans les temps, que nous puissions l'avoir, que nous ne soyons pas des perroquets, mais que nous soyons seulement des bouches par lesquelles le Seigneur peut parler. C'est pour ça que
des dons comme des dons de prophétie, pour que nous puissions comprendre pourquoi on ne peut pas être perroqué. La prophétie, ce n'est pas une répétition de ce que quelqu'un a dit. C'est quelque chose que Dieu vous donne. Donc c'est comme ça que Dieu nous veut. Donc des bouches par lesquelles il peut parler quand il veut, au moment où il veut. Mais pas de perroquet, pas de répétition. Parce que, vous savez, il a dit une chose dans les Saintes Écritures, je pense dans Ésaïe chapitre 28, il dit, ce peuple s'approche de moi, il m'honore seulement des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Parce que la crainte qu'il a de moi, ce n'est qu'une crainte de tradition. Là, le cœur est en réalité, il n'y a rien. Le Seigneur veut que chaque chose que nous faisons, effectivement, que nous puissions ressentir, en fait. Oui, la raison est le poids de ce que nous faisons. C'est pas qu'on doit répéter quelque chose, on doit faire quelque chose par habitude. C'est pour ça que les habitudes sont mauvaises. Je le fais parce que je réalise que c'est vraiment important. Même si je nettoie la salle, je dois savoir pourquoi je dois nettoyer la salle. Que Dieu nous ramène, en fait, qu'il ravive cette flamme dans chacun de nous. Vous savez, nous vivons dans un moment particulier, en fait. Parce que, frères et sœurs, nous faisons l'histoire de la Odyssée. La Odyssée. Et nous sommes un peuple tout à fait particulier dans une période qui est aussi difficile qu'on peut l'imaginer. Mais regardez, nous pouvons lire rapidement ce que le Seigneur nous dit effectivement dans cette période-là. À nous. Malgré tout, regardez d'abord, avec Pierre et Corneille, évidemment. Regardez, alors ici, il dit, oui, c'est cela, je pense que c'est cela. Oui. Voilà, ce que nous dit, c'est ça que nous dit aussi. Il dit, ta prière est exaucée, et envoie donc, verset 32, envoie donc à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, le croyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi. Et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Vous savez qu'on a lu cela? C'est merveilleux, hein? Il dit, t'as ordonné de nous dire, pas ce que tu fabriqueras, pas ce que tu penseras, mais ce que lui... Il t'a ordonné de pouvoir nous dire. Et vous remarquerez très bien que c'est ce que j'aime bien dans ces hommes que Dieu fait. Cet homme n'avait même pas prémédité. Il a simplement été. Vous voyez comment, c'est vrai, vous observez cela. Vous voyez comment Dieu fait les choses, frère. On n'a pas besoin d'une école biblique. On n'a pas besoin de beaucoup de choses pour pouvoir faire. Simplement de rester dans la position que Dieu veut que nous soyons. Prenez l'exemple, par exemple, de Philippe. Il était là. Et l'Esprit lui dit, va, lève-toi et va. Il lui a pas dit, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, quand on est conduit par l'Esprit du Seigneur, et les gens normaux, c'est cela, la difficulté, par exemple. Vous devez comprendre parfois certaines choses qui, comme on l'exprime, pour ne pas prendre ça toujours à mal. Vous savez, les hommes qui servent vraiment Dieu, ils sont conduits d'une manière, c'est la vérité, frère. Vous pouvez être avec... Vous savez, il pose un acte, vous posez un acte, mais pourquoi cela? En fait, il y a une façon dont Dieu fait quelque chose avec eux. Prenons un exemple, je donne un exemple. Vous êtes, par exemple, si vous étiez assis avec Philippe, vous étiez en train de pouvoir converser, manger avec lui, et vous voyez directement le monsieur met des bouts, paf. Et il laisse et la nourriture, les assiettes dessus, paf, il sort. Vous vous direz quoi? C'est pas normal, comment tu agis quand même, c'est pas quand même conforme. C'est comme quand tu dis, puis on t'a invité, puis tu viens chez nous, tu veux comme ça. Non, mais Dieu lui dit, lève-toi et pars effectivement. C'est une façon, Dieu a sa façon de pouvoir agir avec des instruments qu'il tient dans la main. C'est comme le micro, hein, il est là, mais quand j'en ai besoin, je le prends au moment où moi j'en ai besoin. Et je fais avec le micro ce que je veux. Et puis après, je le replace à sa place. C'est comme ça, il était là sur le toit aussi, vous voyez, non? En train de pouvoir attendre qu'on prépare à manger, il avait faim. Mais Dieu lui dit, descends. Mais imaginez la dame qui avait la casserole qui préparait, qui avait mis la cédille, mais frère Pierre,
La viande est là, le riz est là, il dit, ah non, non. Il dit, mais tu dois partir où? C'est pas normal, tu nous as demandé qu'une autre prépare la nourriture. Et maintenant, tu sors et tu t'en vas. Vous voyez, c'est pour éviter les conflits que vous devez savoir que tous le Seigneur a sa façon de pouvoir agir avec ses serviteurs. Que nous voulons peut-être les tenir en laisse avec notre façon, on doit faire comme ça. Non, c'est pas possible. Et c'est comme ça que quand il conduit effectivement Philippe à pouvoir aller. Philippe y allait, mais il savait pas ce qu'il allait faire. Il lui montre d'aller voir sur le chemin qu'il va vers Gaza. Il va, et qu'est-ce qu'il fait? Ah, j'aime Dieu. Amen, amen. Il voit un char. Et puis c'est Dieu qui lui dit, approche-toi de ce char. Vous voyez? Et alors, c'est comme ça qu'il trouva donc l'unique éthiopien qui, lui, il faisait son chemin sans se rendre compte que Dieu s'occupait de son problème. C'est comme toi, sœur. Ton problème, là, qui te tracasse, Dieu s'en occupe. Tu n'as pas l'impression, mais lui, il était là, il était tracassé. C'est vrai qu'il était tracassé. Il disait, mais qui va me faire comprendre? Comment je vais en sortir? Mais Dieu s'occupait de son problème. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé, effectivement, aussi. Ah oui, bon, c'est alors aussitôt, comme il dit, alors, verset 34, et Pierre, donc, alors Pierre ouvra la bouche et dit, écoutez, mais ce que nous avons parlé un peu auparavant, nous avons dit que Dieu est tellement si bon, un homme qui était donc un païen, comme ça vous connaissez, hein? Et puis, Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, vous voyez maintenant, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais, quand toute nation, vous voyez, donc partout, quand toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est. Voilà pourquoi l'ange est venu. Il dit, je suis souvenu parce que cet homme faisait vraiment de tout son cœur, mais il n'était pas un juif, il n'était pas un fils d'Israël. Mais il avait. C'est pour ça que Pierre pouvait se poser la question, mais comment Dieu peut-il s'intéresser? Quelqu'un qui n'est pas un fils d'Abraham, parce que toutes les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'en est rien de celui-là. Maintenant, il dit, quand il a entendu ce que Cornélie lui a dit, il dit, en vérité, je reconnais que Dieu est bon. Oui, que vraiment, il est juste. Quand tu le crains, même là où tu es, effectivement, tu ne le connais pas, mais Dieu va faire en sorte que... C'est vrai, mon frère et ma soeur. Alors, il continue, effectivement, donc là, nous voyons maintenant dans au chapitre 11 où nous étions, il dit, les apôtres, donc, et vous comprenez donc comment est-ce que la parole est entrée, hein? Donc, comment il a eu à pouvoir maintenant prêcher la parole de l'évangile, effectivement, et qu'elle montra effectivement ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire. Alors, le Saint-Esprit a été répandu sur chacun d'eux. Alors, chapitre 11, verset 1, il dit, les apôtres et les frères qui étaient donc dans la Judée apprirent que les païens aussi avaient reçu la parole de Dieu. Il dit, c'est pas possible quand même. Et c'est pour ça que vous remarquerez très bien que dans les Saintes Écritures, l'apôtre Pierre répétait, je crois, dans les Actes au chapitre 15. Vous devez vous souvenir, qu'est-ce qu'il a dit, Actes au chapitre 15, quand il y a eu du trouble et des problèmes, effectivement, de cela, vous vous souvenez? Alors, il dit ici, dans le verset 5, il dit, alors quelques-uns, verset 5, il dit, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait donc circoncire le païen et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous vous souvenez? Les apôtres, les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre s'éleva et leur dit, homme frère, vous savez que de longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Vous entendez bien? Afin que par ma bouche, les païens entendissent. Vous savez, non? Eh bien, il fut donc, c'est lui que Dieu a eu à pouvoir utiliser. C'est lui qui était sur le toit, pas un autre, mais sur le toit.
quand la nappe se fit descendre, effectivement, et qu'il entendit la voix, comme vous vous souvenez, qui lui dit, tue donc et mange. Vous connaissez, non? Voilà. Et c'est lui donc qui entra donc, c'est pour ça que vous remarquez la réaction, au chapitre 11, effectivement, la réaction de frères, effectivement, dans Judée. Et puis ils ont appris, effectivement, que la Judée, appris que les païens avaient reçu donc aussi la parole de Dieu. Et lorsque Pierre, écoutez très bien, fut monté à Jérusalem, écoutez bien, bien, les fidèles circoncis lui adressèrent quoi? Des reproches. Donc vous comprenez. Parce que c'était une chose qui ne pouvait pas se faire. Il dit, mais comment est-ce que... Quel reproche il nous dit? En disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre s'est mis à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, j'étais donc dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais donc en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe. Était attaché donc par les quatre coins. Il descendait donc du ciel et vint jusqu'à moi. Le regard fixé sur cette nappe, j'examinais et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait, « Lève-toi, Pierre, tue donc et mange. » Mais j'ai dit, non Seigneur, car jamais rien de souillé, ni d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, puis tout fut retiré donc dans les ciels. Et voici aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Et l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Voilà que cet homme, c'est ainsi qu'il a rassemblé ses hommes, tout ce qui était dans sa maison. Alors il dit, lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Exactement. Alors maintenant écoutez bien, il dit, mais, et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don, qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez donc, il dit que nous qui sommes juifs des nations, des naissances, effectivement, d'Israël, mais Dieu nous a accordé ce don. Et puis quand j'ai vu que Dieu a accordé le même don qu'il nous a accordé à nous, qui sommes la postérité d'Abraham, et à eux aussi, et puis il dit, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Donc ce que vous me demandez, là, il dit, mais qui peut s'opposer à Dieu, puisqu'il a montré qu'il a fait la même chose à nous. C'est que Dieu est juste. C'est pour ça qu'il a dit que je reconnais que Dieu est juste. Et donc, dans toute nation, celui qui les craint, qui a pratiqué la justice, lui est donc agréable. Alors, il nous a aussi démontré effectivement que tous ces hommes-là, effectivement, eh ben, ils étaient conformes à sa volonté. Alors, pouvais-je moi m'opposer donc à Dieu? Vous voyez, frère. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Et qu'est-ce qu'ils firent? Ils glorifient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Vous voyez? Donc, la repentance est quelque chose que Dieu nous a accordé. De pouvoir arriver à pouvoir avoir, quand bien même nous sommes descendus dans le bas-fond, ou que nous ayons fait quelque chose. Parce qu'il faut que tu veilles toi-même. Mais ça peut arriver. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans la condition. Mais tu as quelque chose, c'est la repentance. Savoir
demander pardon, reconnaître la chose et implorer la grâce du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, Dieu te replace effectivement à la place que toi, en tant que fils de Dieu, tu dois être effectivement. Ainsi donc, la Bible nous fait comprendre qu'effectivement que le Saint-Esprit nous conduira alors. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le Saint-Esprit ne pourra pas nous conduire étant dans la condition qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça, vous devez quand même comprendre ces choses-là. Oui, parce que le Saint-Esprit nous conduira pour que nous puissions davantage et accomplir la volonté de Dieu. Et quand vous n'êtes pas dans la condition, il ne va pas le faire. Oui, parce que il attend quoi? Mais que vous vous repentiez. Mais bien sûr que oui. Pour qu'il revienne et qu'il puisse maintenant continuer à pouvoir faire. Si vous êtes dans la mauvaise direction, dans quelle, il va vous continuer à vous conduire dans cette direction qui est la mauvaise? Non, lui doit vous conduire dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vous conduira dans toute la vérité. Mais si toi tu es dans l'erreur, est-ce que vous avez, vous pensez, non? Si je suis dans l'erreur, est-ce que le Saint-Esprit pourra me conduire? Non. Pas du tout. Mais par contre, par la grâce de Dieu, je suis fils de Dieu, il me convaincra du péché. Il me convainc du péché, que ce n'est pas correct. Alors je réagis sur les tirs, je me réponds, je dis, Seigneur, fais-moi grâce, éclaire-moi encore davantage. Alors le Saint-Esprit fait son travail. Il nous conduit dans toute la vérité. Donc, nous pouvons réaliser qu'effectivement, comme nous le disions, nous sommes dans un temps particulier et aussi glorieux dans ce temps-ci. Oh! Nous pouvons le remarquer, l'apôtre Paul le disait, oh, dans les derniers jours, dit l'Esprit de Dieu, effectivement, il y aura l'Esprit expressément, qui est dans les derniers jours, il y aura des temps très difficile. Eh bien, nous sommes dans ce temps, effectivement, et nous pouvons dire que la parole de Dieu est vraiment la vérité. Je crois qu'il y a un cantique que vous chantiez tout à l'heure, effectivement. Je crois que les paroles ont... Pendant que le monde ne le voit pas, mais l'épouse, lui, elle se prépare, je pense que c'est ça. C'est ça. Hein? Vous disiez encore comment hein? Ah. Gloire à Dieu. Ça, c'est beau, ça. Le monde ignore sa venue. Et l'épouse l'attend. Rempli de D'assurance. Alors, vous savez, quand vous pouvez regarder aujourd'hui, regardez d'abord, je lis quelques versets pour que vous puissiez bien saisir et comprendre ces choses-là. Combien Dieu est vraiment bon pour nous. Oui, mon frère, oui, ma sœur, nous ne nous rendons pas compte, effectivement, mais c'est surtout quand aussi on se trouve dans des situations tellement bien serrées que Dieu montre ça, mais qu'on comprend que Dieu nous aime. Ah oui, mon frère. Et que les saintes écritures sont vraiment... Je vous en supplie, frères et sœurs, ne vous lassez pas d'écouter la parole de Dieu. Ne vous lassez pas de prier. Ne vous lassez pas de pouvoir venir dans la maison du Seigneur. C'est pour votre salut. C'est ce que, d'ailleurs, la Bible nous fait comprendre. Peu importe ce qu'il en est, mais la Bible nous fait comprendre que, oui, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu la parole de Dieu de bon cœur, donc ils acceptèrent d'être baptisés. Il dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient confiance de cela. Et puis aussi dans la communion fraternelle. Quand nous avons la parole de la vérité avec nous, et vous savez, elle fait son travail et nous pousse à pouvoir nous rapprocher ensemble. Parce que dans la parole de Dieu se trouve cette vie et qui conduit aussi à l'unité. Il a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et puis, plus bas, il nous fait savoir qu'ils soient un,
comme toi et moi, nous sommes vraiment un. C'est cette parole, effectivement, dans mon cœur et dans ton cœur, qui fait l'œuvre de Dieu, qui nous pousse à pouvoir produire ce qu'on appelle ce qu'il y a, ce que Dieu a fait, l'amour de Dieu qui nous amène. Sans la véritable parole divine de Dieu, nous n'avons plus de sentiments véritables les uns avec les autres. C'est pour ça que nous devons prier, frère. Que Dieu nous aide à demeurer dans la parole. Demeurer vraiment dans les saintes écritures, avec la pensée de Dieu, pour que, comme vous le savez, la parole est une semence, mais si dans la semence, il n'y a pas des germes de vie, vous savez, la semence, on peut la planter, elle ne va absolument rien donner. Or, la Bible nous dit, c'est dans Jérémie, son nom est germe. Vous avez déjà lu ça. Donc Jésus-Christ, notre Seigneur, son nom est germe. Donc c'est, comme la Bible dit, en elle était donc la vie. Donc c'est lui en fait qui donne la vie dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que, et quand on parle de la vie, c'est l'essence même de la parole. Vous voyez maintenant combien il est merveilleux quand il a... la Bible dit qu'il tressailla de joie, il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages intelligents, de la révéler aux enfants, la révélation, la stimulation. » Et quand nous avons la parole de Dieu, comme nous l'avons entendu, vous suivez? Amen. Je vais vous laisser partir tout de suite. Mais vous suivez? Amen. Parfait. La parole de Dieu nous fait comprendre que la révélation, sans la révélation, le peuple... Alors que nous comprenons quoi que la révélation, c'est la pensée de Dieu qui est derrière la parole, en fait. Ce qui donne qu'on a au moins, on comprend au moins le sens exact de la manière dont le Seigneur l'a exprimé. C'est pour ça qu'il a eu à pouvoir dire à ses disciples, effectivement, qu'ils attendaient jusqu'à ce que... Ils ont reçu la parole, mais ils avaient besoin de ce qui donne vie à la parole. Et ce qui donne à nous aussi la pensée exacte à ce sujet de la parole, effectivement, pour que chaque fois que cette parole est prononcée, qu'elle soit reçue dans le cœur, elle ait aussi la même puissance de transformer. Voilà pourquoi que ces jours-là, quand ils l'ont reçue, eh ben, ils avaient l'amour les uns pour les autres. Nul ne pouvait dire que les choses lui appartenaient. Parce que leur cœur... Vous savez, et puis nous comprenons aussi que tout dépend aussi de la disposition du champ. Du champ. Parce qu'un champ non défriché, on peut s'aimer, mais ça ne pourra pas produire. Alors, eux, leur champ à eux était donc bien défriché. Ils ont dit, ô homme frère, parce que la parole a touché tellement alors la puissance de Dieu travailler. Ils ont crié aux hommes frères, que ferons-nous donc? Donc, disposés à cela. Et Pierre leur a dit ce qu'il fallait faire, effectivement. Et voilà que la parole trouve toujours de bonnes dispositions. Et lorsqu'elle est sémée là-dedans, l'amour sort. Alors nous avons ce désir de pouvoir nous retrouver dans la maison du Seigneur. C'est pour ça que quand j'étais là assis, j'entendais comment que Dieu te bénisse. J'entendais le chant que vous chantez tous ensemble, vous voyez, l'amour de Dieu, la joie de pouvoir être. Frère, où aimeriez-vous être? Nous nous fatiguons de travailler, mais le travail n'est pas le bonheur. Mais c'est quand nous pouvons nous retrouver ici. On oublie que Dieu te bénisse, ma sœur Angela. On oublie tous les problèmes que nous avons. Nous voyons que nous avons une espérance. Ah oui, parce qu'au dehors, il n'y a pas d'espérance. Mais là, nous voyons qu'il y a l'espérance. Et nous le chantons avec une détermination. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu soit béni. Alors, nous comprenons qu'effectivement que c'est nécessaire. C'est pour ça que je dis, il est nécessaire que nous puissions voir, comprendre aussi ce que notre Dieu, comme on nous dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront ainsi. C'est-à-dire, mais c'est vraiment un temps très difficile pour nous. Alors, qu'est-ce que notre Dieu nous dit à nous, en fait? Regardez, je vais juste relire quelque chose. Dans le livre de Luc au chapitre 21, Luc au chapitre 21,
Donc, nous lisons ici. Alors, il dit, je vais lire à partir du verset 25, Luc 21, verset 25, il nous dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Vous comprenez? Donc, effectivement, on dit qu'il y aura de l'angoisse parce que les hommes ne sauront pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et on dit bien ici, hein, donc chez les nations, donc partout, hein, donc les hommes seront donc dans l'angoisse et au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Donc, remarquez très bien que le Seigneur nous décrit déjà d'avance quelle serait effectivement aussi l'attitude et la réaction des gens. Et puis, remarquez très bien, nous ne sommes pas loin, nous y sommes quand même. Quand nous pouvons voir aujourd'hui, nous sentons, aujourd'hui, on sent la terreur dehors. Je pense pas qu'il y ait des hommes, effectivement, qui, aujourd'hui, tu crois que les hommes se disent que bon, est-ce qu'on vivra là la paix à un certain moment? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours de... Personne ne pense que dans les jours à venir, les choses seront bien. Parce que, déjà, de maintenant, les choses semblent de pire en pire, partout dans tous les domaines. Alors, les gens sont quand même dans l'angoisse. On sent effectivement, non seulement ici, mais partout, que vous allez en Amérique, que vous allez sur des îles, partout, on voit des îles, partout, effectivement, les hommes sont dans l'angoisse. C'est la peur. Personne ne peut dire qu'effectivement, que non, il se sent bien. Il y a pas, non, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'avec ce que nous sommes en train de pouvoir vivre, on se pose des questions. Maintenant, on va déménager pour aller où? Parce qu'on voit que la pression, comme le Saint disait, ça devient de plus en plus fort. Personne n'est épargné de cela. Donc tous sont dans ces choses-là. Et quand tu sors, vous écoutez les informations. On n'a même pas envie d'écouter les informations parce qu'on dit on va encore nous rabattre encore davantage. Vous comprenez? Donc c'est le temps en fait que nous sommes. Mais regardez bien. Dans ce qui se passe, effectivement, d'abord, Dieu nous annonce, et puis, regardez les choses. J'ai dit, Dieu est vraiment bon, regardez. Et il dit, rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Frères et sœurs, regardez d'abord comment est-ce que Dieu montre ce qui va se passer, en fait. Aujourd'hui, on a des pressions que les hommes nous font. C'est pour ça, je vous ai toujours dit, frères et sœurs, que le Seigneur accorde la grâce à chacun. Ne vendez jamais votre droit d'aînesse pour des choses inutiles. Il faut que vous puissiez comprendre que les souffrances du temps présent, ce que nous vivons, ce qui peut se passer dans le monde, ce n'est rien du tout. Ah, que Dieu nous aide. Si vous pouviez comprendre, frère. Parfois, quand vous vous regardez, en tant qu'humain, vous dites, mais devant cette oppression dans ce monde, effectivement, comment ça va se passer, pour qu'est-ce qui va se passer pour nous? Mais en fait, il faut que vous puissiez d'abord vous rappeler d'une chose. Qui vous êtes? Si tu n'as jamais donné ton cœur au Seigneur, je crois que c'est quand même le temps. Je me souviens d'un témoignage d'une sœur, évidemment, était donc ce qui s'était passé aux États-Unis. Il y avait une tempête qui secouait des maisons, qui faisait que les toitures, les maisons allaient tomber, effectivement. Donc, comme vous voyez, une tempête qui vient là. Alors, les gens cherchaient des endroits pour pouvoir s'accrocher, pouvoir en fait, se protéger, effectivement, pour qu'ils ne puissent pas mourir, effectivement. Et il y avait donc un jeune homme aussi qui était parti dans ce contrée-là. Et alors, il cherchait un endroit, et puis il s'est glissé dans une maison où on trouvait, en fait, il y avait une famille qui était là, c'était une dame qui était là. Ce jeune homme-là était un païen. Et il est rentré dans la maison, et la personne qui était à la maison, cette dame, c'était une chrétienne.
Mais vraiment qui a reçu le Seigneur, qui servait son Dieu de tout son cœur. Et voilà que la tempête secouait, tout le monde était tremblant dehors, effectivement. Et puis l'angoisse, et le jeune homme lui-même, effectivement, il tremblait. Et puis, il voit, effectivement, la dame qui était là, en train de pouvoir se mettre à genoux. Elle était dans le calme, elle priait, elle parlait, elle priait vraiment du fin fond de son cœur. Et puis, après avoir prié, puis il s'est assis tout à fait calmement, tranquillement, sans s'inquiéter de ce qui s'est passé. Mais le jeune homme était un peu troublé, il pose la question, il dit, mais, madame, vous allez bien? Elle dit, oui. Elle dit, mais vous étiez là comme si vous parliez à quelqu'un que vous connaissez très bien. Il dit, oui, je les connais. Et puis il dit, mais madame, vous n'avez pas peur avec ce qui se passe à l'extérieur? Parce que tu vois, c'est ces vents qui pensent, il dit, mais vous n'avez pas peur? Et puis, elle pose la question, elle, à ces garçons. Il dit, vous ne les connaissez pas? Donc il pose la question, parce qu'il dit, vous n'avez pas peur. Et il dit, mais il pose la question, vous ne le connaissez pas? Il dit, mais c'est qui? Parce que bon, c'est vrai, je veux que vous parliez à quelqu'un, et puis vous n'avez pas peur. Il dit, mais ah, donc, vous ne les connaissez pas, vous? Il dit, non. Il dit, mais ce qui se passe à l'extérieur, là, ne m'inquiète pas. Parce que moi, je le connais. Mais il est avec moi. Je suis en paix dans mon âme. Il n'y a pas de trouble, effectivement. Et lui, il dit, mais c'est qui, ça? Il dit, mais comment, vous ne le connaissez pas? Et c'est comme ça qu'il lui a parlé du Seigneur. Et le monsieur a regardé, dit, il a vu la femme, il dit, mais elle était tellement sereine. C'est ce monsieur-là qui a rendu témoignage. Il était tellement sereine et dans l'assurance, effectivement, que peu importe ce qui se passait à l'extérieur, mais il avait trouvé. Et c'est comme ça qu'il est devenu aussi un chrétien. Alors, regardez ce que l'Écriture nous fait savoir ici. Verset 27, on nous dit, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. » Vous avez entendu? Que les cieux seront ébranlés, ceci et cela. Mais alors, on nous glisse l'Écriture, on dit, mais on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. C'est-à-dire qu'en fait, que la terre tremble, donc tout est secoué. Ce ne sont pas des décisions que le gouvernement peut prendre. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement peut prendre, mais à ce stade-là, c'est toute la terre qui est secouée par une puissance qui vient effectivement détruire, en fait. Parce que ceux qu'on prend comme mesure, ça ne veut rien. Mais qui vient pour détruire? Mais c'est ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? La taille de la puissance, effectivement, de votre Dieu ne peut pas être comparée à des mesures que les gens peuvent même vous emprisonner, vous flageller, vous faire ceci. Non! C'est lui dont vous devez craindre, vous. Ce n'est pas un homme. C'est plutôt Dieu. Mais regardez d'abord ce que c'est Dieu en question dit. Donc celui qui vient, il dit, maintenant il dit au verset 28, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ça veut dire quoi? Quand nous voyons les troubles, quand nous voyons tous les gouvernements commencer à pouvoir prendre des choses, c'est pas très bien, qui aussi nous influencent, effectivement, ça nous entraîne aussi dans la peur. C'est vrai, non? Mais alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Mais toi, tu ne dois pas avoir peur. Plus ça commence à devenir difficile, sois heureux. C'est un paradoxe, non? Parce que quand les choses deviennent difficiles et qu'on prend des mesures à gauche, à droite, tout d'un chacun cherche comment s'enfuir. Il dit non, toi ne fuis pas. Bien sûr, mais ne fuis pas. Il dit, mais redresse-toi. Redresse-toi, il me dit, oui, bien sûr. C'était qui? Il dit, mais quand ce qu'on dit, il me dit, redressez-vous, élevez vos têtes. Il dit, mais parce que les gens vont fuir la tête en bas, mais toi, lève la tête. Pourquoi? Parce que ta délivrance approche. Et c'est lui qui vient pour toi. Mais c'est celui-là, effectivement, qui t'a sauvé, qui t'a, et qui jusqu'aujourd'hui, il te garde. C'est pour ça que je vous dis ceci, frère. Ne soyez pas effrayés. Peu importe ce qu'on peut dire, on va mettre en prison, on va faire ceci, on va vous couper le travail. Ne soyez pas effrayés. Parce que la peur, mais c'est vrai, la peur est l'instrument du diable. Diable, le diable secoue partout, à gauche, à droite, effectivement, parce qu'il sait que l'homme... Regardez, quand on fait la pression sur l'homme, on secoue sur les choses que l'homme tient. Les biens de l'homme. Là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, c'est cela, non? C'est cela. Donc, les diables sait cela. Mais quand toi et moi, nous savons que Dieu veut que nous ne puissions pas mettre notre cœur dans ces choses. Prenons par exemple, comme l'Écriture le dit, effectivement, avec Job. Job, il était riche. Il possédait.
Mais les diables pensaient que le cœur de Job était dans cela. Il dit, faites pression. Il dit, faites pression à Job. Prends ces affaires-là, tu vois, ses maisons, ses biens, son argent, son travail, enlève tout le travail contre tout ça. Tu vas voir qu'il va t'abandonner en face. Oh, Job utilisait ça, il dit, mais ce sont les choses qu'ils ont trouvées à la terre. Regardez sa réponse, il dit, je suis venu nu, je retourne nu, vous prenez, prenez. Mais pour la foi, je n'abandonnerai pas Dieu. Alors redressez-vous, frère. Même dans ces temps, il dit, n'ayez pas peur. Ne tremblez pas, on ne fait pas sortir. Non, 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 non. Si on t'empêche de sortir, Dieu donnera du pain. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc un fils de Dieu ne doit pas marcher dans la peur. Amen. Parce que Dieu soit béni. Un fils de Dieu doit toujours avoir confiance. Si tu as peur, c'est que tu ne connais pas Dieu. Quelle est la chose qui soit impossible, même si, parce que, regardez, une chose qui est très importante que toi et moi, nous puissions comprendre. C'est pour ça que nous devons être vraiment des véritables chrétiens, des gens qui aiment Dieu et qui sont prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Vous savez, les briques ne sont pas ta vie. Le travail n'est pas ta vie. Ta vie, c'est ce que Dieu t'a donné. Et il a bien dit. Regardez bien. Dans Matthieu, puis on va se lever, on va prier ensemble. Matthieu, chapitre 24. Je pense que c'est cela, oui. Il dit une chose ici. Matthieu 24. Voilà, c'est dit. Il dit, voilà, ça c'est là. Qu'est-ce que c'est ici? Voilà, aussi. Bon, on va dire. Voilà. Matthieu 24, nous disons à partir du verset 6. Il dit ceci. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Il dit toujours, gardez-vous d'être troublés. En fait, le Seigneur, que Dieu te bénisse. Le Seigneur, il veut que nous soyons en paix, frère. C'est un temps difficile, de trouble, mais ce temps est un temps glorieux pour vous. Parce que c'est dans ce milieu de temps où le trouble est diminué. Quand ça commence à être chaud, redressez-vous. Ne soyez pas effrayés. Levez vos têtes. On écoutait bien, il dit, mais gardez-vous d'être troublés. Ne soyez jamais troublés. Parce qu'on entend, les justes ne craignent pas les mauvaises. Amen. Il soit alors le juste. Amen. Tu entres sereinement dans ta maison, tu sors sereinement dans ta maison, tu n'as pas peur de ce qui... Bien sûr que non, frère. Alors écoutez bien, il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. On ne peut pas stopper cela. Ça prépare déjà, vous connaissez quand je vous explique ici, c'est ce qu'on aime, ça prépare déjà pour aller acheter. Vous comprenez, non? Oui. Eh bien oui. Alors, donc, il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Maintenant, écoutez, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous comprenez? Alors maintenant, verset 9 dit, alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc toi, tu dois t'attendre effectivement que quand tu aimes vraiment, tu es avec les Jésus de la Bible, on va te haïr. Si tu es avec des faux Jésus, il n'y aura pas de problème. Parce que l'écuménisme n'est rassemblé que de ça. Mais ceux qui se tiennent à la parole de Dieu, non, c'est sûr et certain. Nous continuons. Regarde, parce qu'il faut que vous soyez armés de la pensée de Dieu pour arriver à pouvoir surmonter les épreuves dans la vie. Il avait dit, vous aurez des persécutions, mais des tribulations, pardon, mais ne craignez point, ne craignez point, ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Nous devons avoir des sommeils paisibles. Pas tourmenté, qu'est-ce qui va se passer avec ce qu'on prend. Non, ils prennent ce qu'ils prennent, moi je m'occupe de ce que Dieu me dit. Tu es vivant, mon frère.
Bon, alors, nous continuons. Regardez très bien. Il dit, tout ce qu'on dit, mais allons voir trop mal. Alors, maintenant, regardez très bien. Aussi, plusieurs succomberont. C'est pour ça qu'il faut être sûr et certain si vraiment tu as accepté le Seigneur au plus profond de toi comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître dans la vie. Parce que quand la pression va venir, il va y avoir un problème. S'il n'y a vraiment pas la persévérance au-dedans de toi, tu vas succomber, tu vas trouver. Tu peux pas, c'est pas nécessaire de trouver des raisons pour les choses. Non, quand c'est pas de Dieu, je suis pas dedans. Alors maintenant, regardez encore une chose qui vient encore. Et ils se trahiront. Donc, c'est lui qui est assis à côté de toi. Évidemment, si vraiment il n'est pas sincèrement chrétien, s'il arrive un problème, évidemment, il va commencer à pouvoir dire, « Ah, mais c'est quand même eux, hein, c'est lui quand même qui m'avait dit, et c'est à cause de lui que j'étais... » C'est comme j'ai toujours dit, personne n'oublie... C'est comme j'ai toujours dit, j'ai jamais voulu parler de moi, ici, on ne sait pas. Mais chacun de vous est libre. Vous venez ici, vous vous barricadez comme vous voulez, avec ces histoires, il n'y a pas de problème. Personne ne va vous juger. Vous allez parfois pas dire, oh, j'ai été là-bas, je les ai trouvés, ils étaient sans. Alors c'est à cause d'eux que maintenant je suis arrivé à être. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes quand même assez sage. Hein? Donc vous vous lavez les mains comme vous voulez. Vous vous mettez tout ça. Je vous l'ai dit sincèrement. Hein? Pour ne pas que, oui, quand, où est-ce que vous avez été? Oh, rue, c'était de. Où? Pas à l'église. Oui, vous comprenez? Oui. Et j'étais dans les trams. Les transports en commun. Ben oui, tout le monde prend les transports en commun. Qu'on aille voir les transports en commun. Ici. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons un Dieu qui veille sur nous. N'ayez pas peur, mais soyez fermes dans la foi et il agira. Le juste vivra par la foi. Lève-nous. Amis, amis, prenez courage. Votre rédempteur vit. C'est tout mort. Le plus sombre que Jésus va à nous, amis, 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 prenez courage, notre Rédempteur vit. C'est au moment du plus sombre que Jésus vint à nous, amis, 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 prenez courage, notre Rédempteur vit. Et au moment du plus sombre que Jésus vint à nous, croyants ne manquez pas de foi. Même dans la fournaise, c'est alors que Jésus va. Amis, mes amis, prenez courage, notre Rédempteur vit. Amis, tout moment, une leçon que Jésus a à nous. L'attente était à son bord, les disciples tremblaient. Se voient l'emprise de ce